L'incendie de l'usine Lubrizol est une véritable catastrophe industrielle. En France, c'est tout un territoire qui a été touché et toute une population qui s'inquiète des conséquences environnementales et sanitaires. Parmi eux, les pompiers, les policiers, les CRS témoignent et accusent. Ils n'ont pas été suffisamment informés. Ils ont lutté contre les flammes, ont pataugé dans les hydrocarbures sans protection suffisante, parfois avec des masques en papier. Après avoir respiré ces fumées toxiques, migraines, vomissements, démangeaisons, et ce n'est pas terminé, ils sont toujours en train de nettoyer. Ces professionnels, et nous les remercions, nous ont protégés en se mettant en danger eux-mêmes. Mais l'État français n'était pas prêt et les a mal équipés. Devoir de protection, suivi médical, droit à l'information préalable sur les risques encourus, il est vraiment temps de considérer que l'Europe doit protéger mieux et être à la hauteur du dévouement de ses professionnels.